La galette des rois est une fête qui se déroule le jour de l'Épiphanie, c'est-à-dire le 6 janvier. Cette dernière marque, dans la tradition chrétienne, la nuit où les rois mages sont venus depuis l'Orient, guidés par une étoile pour apporter des présents à l'enfant Jésus. Dans la tradition romaine, lors de la semaine des Saturnales, on dégustait déjà aussi le 6 janvier, une galette dans laquelle était caché un petit légume, une fève. La tradition voulait que ce jour-là, les rôles soient inversés et que celui qui l'a trouvé devienne roi d'un jour. Cette délicieuse douceur en forme de cercle symbolisait le soleil et était confectionnée pour célébrer la fête des Lumières. Cette fête a évolué au fil des années et s'est convertie depuis en une réunion familiale très appréciée des petits comme des grands. Il existe en France deux types de galettes. La frangipane, galette faite de pâte feuilletée et fourrée d'une crème d'amande, ou la couronne, brioche, parfois agrémentée de fruits confits, présente sous différentes formes dans plusieurs pays du monde. Quelle que soit sa forme, la galette des rois contient toujours une fève. Initialement, on utilisait le légume, mais aujourd'hui, elle est faite de porcelaine et peut prendre différentes formes. Animaux, personnages bibliques ou encore de dessins animés. En France, la tradition veut que la personne qui trouve la fève devient le roi et porte une couronne. Dans d'autres pays, comme le Mexique, plusieurs fèves sont incorporées. Une bague, une figurine de l'enfant Jésus et une fève de légumes. La tradition veut que la personne qui trouve la figurine soit l'amphitryon le jour de la chandeleur pour déguster en famille des tamales. Celui qui trouve la fève se chargera des sodas ou du chocolat chaud, et finalement, celui qui trouve la bague pourrait bien se marier dans l'année. Les galettes et traditions varient d'un pays à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que le 6 janvier, la galette des rois sera bien présente sur la table de nombreuses familles du monde entier.